April in Burkina Faso is the hottest time of the year. Temperatures can rise to a sticky and uncomfortable 45 degrees Celsius. Many struggle in the heat, particularly when there's no electricity. This morning, Aminata has seen the power to her restaurant go out several times already. Le courant s'est coupé trois fois. Là, là, on met ça là. Ça fait trois jours aujourd'hui. Ce n'est pas formé, c'est frais seulement. Quand il y a coupure de courant, on n'arrive pas à vendre de la glace et la facture vient chère. The outage has hit the whole town. Nowadays, power cuts usually last around an hour, which is a slight improvement from 2 years ago. Ça va bientôt deux mois comme ça. À partir de 11h jusqu'à 15h, il y a coupure de courant. L'année passée, peut-être deux ans de cela, c'était vraiment de longues coupures, quelque chose qui partait peut-être autour de 2h, 3h du temps. Mais cette année, depuis que ça a commencé, en tout cas, ça ne dépasse pas 1h du temps. The government's increasingly turning to renewable energy. Around 130,000 panels shimmer in the sun at this huge solar power plant in Zaktuli, about 20 kilometres from Ouagadougou. Opened in 2017 during French President Emmanuel Macron's visit, the plant was meant to help Burkina Faso become energy self-sufficient. But today, 65% of the country's electricity still comes from neighbouring Côte d'Ivoire and Ghana. The government says that this energy dependency is partly to blame for the frequent power cuts. Quand il y a une coupure au Ghana, nous sommes délestés de pratiquement 120 mégawatts. Dès qu'il y a un problème technique, nous envoyons des équipes sur place rapidement. Mais nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup à faire. Dans les années à venir, et déjà avec les investissements que nous avons, le Burkina Faso sera complètement autonome avec de l'énergie solaire. The number of Burkinabés with access to electricity increased from 18 to 45% between 2015 and 2020, mostly in cities and urban communities.